Tinzawatin, une explosion dangereuse et prévisible depuis plusieurs mois. Une quinzaine de ministres, trois hommes d'affaires et des Walis devant le juge. Événement de Tinzawatin, le MDN dément des allégations infondées. Ali devait devait vendre l'hôtel Palace de Barcelone, mais sa femme refuse. Ali Haddad devait vendre l'hôtel Palace de Barcelone, mais sa femme refuse et cherche un gestionnaire. Le milliardaire algérien Ali Haddad emprisonné depuis le 2 avril dernier veut vendre l'hôtel Palace de Barcelone, l'ex-Ritz, qu'il avait acheté en 2011, pour la coquette somme de 68 millions d'euros. Mais son épouse ne veut pas lâcher ce patrimoine, et préfère le confier à un gestionnaire, pour garantir son bon fonctionnement et sa rentabilité. C'est du moins ce que nous apprend le média espagnol Chronica Global. Dans son édition du 14 juin dernier, ce média espagnol basé à Barcelone s'est interrogé longuement sur l'avenir de cet hôtel majestueux de la capitale de la Catalogne. Les employés de l'hôtel Palace de Barcelone sont également inquiets et ne savent plus quel sera leur avenir au regard des actuels soucis judiciaires d'Ali Haddad en Algérie. Selon le média espagnol, il faut attendre le sort judiciaire d'Ali Haddad dans les autres procès qu'il l'attendent pour trancher sur le devenir du luxueux hôtel barcelonais. Ali Haddad a été condamné, le 25 mars dernier par la Cour d'Alger, à quatre ans de prison ferme, dans le cadre de l'affaire du financement occulte de la campagne électorale de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, qui briguait un cinquième mandat. Au sein même de la famille Haddad, il ne semble pas y avoir d'accord sur la gestion de ce patrimoine très prestigieux. Cet hôtel a été racheté par Ali Haddad en 2011 auprès de l'ancien président du célèbre club de football, le FC Barcelone, Johan Gaspar, qui dirige avec sa famille grand groupe hôtelier USA Group, propriétaire de pas moins de 160 hôtels en Espagne et à travers le monde. Il est à souligner enfin que le milliardaire algérien Ali Haddad aimait beaucoup Barcelone. Après l'acquisition de l'Hôtel Palace, situé sur l'une des artères les plus importantes de la ville, Ali Haddad avait approché dès 2016 deux autres établissements 5 étoiles, dans l'optique de les racheter. Il s'agissait du Grand Hôtel La Florida, sur les hauteurs de la ville et l'Hôtel Miramar à Barcelone, non loin du front de mer barcelonais. Les deux hôtels concernés par un éventuel rachat appartenaient à des sociétés différentes gérées par l'homme d'affaires espagnol Joan Gaspar, Aki Haddad a racheté l'hôtel Palace en 2011 pour 80 millions d'euros et au Libanais Boutros el Khoury. Mais Ali Haddad n'a jamais commenté officiellement cette transaction et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si le milliardaire algérien avait bouclé cette opération de rachat dans de bonnes conditions. Affrontement, violence et dérapage, Atin, une explosion dangereuse et prévisible depuis plusieurs mois. Tinzawatine, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, est depuis ce lundi matin au cœur de l'actualité algérienne. Située au fin fond de l'Algérie, à plus de 2600 km au sud-est d'Alger, personne en Algérie ne parle d'ordinaire de cette localité saharienne et de ses habitants, les véritables oubliés de l'Algérie. Mais ce lundi, des manifestations de colère ont éclaté et des heurts opposant les forces de la gendarmerie nationale aux manifestants ont provoqué la mort d'une victime blessée par balle. Les images filmées par des témoins oculaires montrent un corps gisant à terre entouré de gendarmes armés. Les habitants insultent, lancent des invectives accusant les gendarmes d'avoir assassiné un manifestant pacifique. La polémique enfle rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Défense nationale réagit et apporte un démenti. Suite aux informations incitatives colportées via les réseaux sociaux, le 15 juin 2020, Accusant des éléments de la NP d'avoir ouvert le feu sur des individus dans la localité frontalière malienne d'Ikraben, limitrophe de la commune de Tinzawatin en 6e région militaire. Le MDN dément formellement ces allégations infondées et affirme que ces événements se rapportent à une tentative menée par des personnes connues par leurs activités suspectes, dans la contrebande et le crime organisé, visant à détériorer le mur de sécurisation, en appelant les habitants à la violence et à la manifestation, dans une manœuvre visant à libérer l'étreinte sur leurs intérêts dans la région, précise un communiqué du MDN. La réaction de l'armée algérienne ne va pas calmer les esprits. Car les images des témoins oculaires montrent une toute autre réalité. Le corps de la victime gisait à terre pendant au moins 15 minutes. Blessée mortellement, la victime a été abandonnée par les forces de la gendarmerie sans lui apporter le moindre secours. Les images sont choquantes et déshonorent l'armée algérienne. Le ministère de la Défense nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête. Ceci dit, il n'a pas attendu les conclusions de cette enquête pour prendre position et défendre sa version des faits. Au moment où les éléments des gardes frontières ont intervenu pour apaiser la situation, des coups de feu inconnus ont été ouverts depuis Kraben en direction des positions de nos gardes frontières, ayant touché un individu parmi la foule qui a été immédiatement évacué par les gardes frontières pour être pris en charge par les services de santé mais qui a succombé malheureusement à ses blessures, ajoute le communiqué. Suite à ces événements, le haut commandement de la NP a ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les circonstances de cet incident, et appelle à la vigilance, quant à ce genre de rumeurs et de désinformations, usées par des partis hostiles, visant à perturber la situation dans cette région, conclut le MDN. Maintenant, que s'est-il réellement passé Il faut savoir qu'une véritable colère populaire s'est emparée de cette région depuis la fin du mois de mai dernier. Cette colère a été causée par la pénurie chronique de l'eau potable, à Tinzawatin, l'eau se vend 1500 dinars les 1000 litres, dans une région rongée par la pauvreté et la paupérisation. Ce problème a pris une dimension inquiétante et dramatique, lorsque les services de sécurité ont encerclé la ville par une barrière en fil barbelé, qui a isolé les habitations de l'Oued, principale source d'eau et de détente pour les familles. Cette barrière a suscité une énorme exaspération. Des représentants de la société civile ont prévenu les autorités locales en adressant un courrier de réclamation au wali de Tamanrasset le 11 juin dernier avec une liste de revendications surtout liées à l'encerclement. Le document a été diffusé massivement sur les réseaux sociaux. Des associations locales ont même proposé la construction d'un mur avec des portes pour faciliter le déplacement de la population. Elles ont proposé aussi l'ouverture de passages pour les agriculteurs et les éleveurs dans les zones non urbanisées. Pour désamorcer cette bombe à retardement, la société civile réclame enfin l'ouverture de canaux de communication entre les notables locaux, la société civile avec les autorités et les forces de sécurité, pour préserver la paix sociale de la région, peuplée par plus de 5000 habitants. Faute d'une médiatisation correcte de la situation qui prévaut sur place à Tinzawatine, l'opinion publique algérienne méconnaît totalement ce malaise qui risquait de dégénérer depuis plusieurs mois. Pour rappel, en mars dernier, la population de Tinzawatin a observé une grève de protestation contre la mort d'un jeune tué par les forces de l'ordre, alors qu'il était à bord de son véhicule. Sept députés des wilayas de Tamanrasset, Ilizi et Hadrar avaient envoyé un courrier de protestation au Premier ministre et avaient réclamé là aussi une meilleure régulation des zones fermées par barbelés, un passage pour les agriculteurs et les éleveurs, de l'eau, une meilleure façon de faire de la part des autorités sécuritaires, et enfin du développement local. Force est enfin de constater que le régime algérien peine à réconcilier la nécessaire protection des frontières, des biens et populations contre la menace terroriste venant du Sahel, avec les attentes des populations algériennes qui vivent aux frontières. Ce lundi 15 juin, le fossé de l'incompréhension s'est creusé tellement qu'une explosion de violence est devenue tout bonnement inévitable. Une quinzaine de ministres, trois hommes d'affaires et des walis devant le juge. L'heure des comptes a sonné. Les procès des hommes d'affaires s'ouvriront de manière successive, dès demain devant le tribunal d'Alger. Mouradoulmi passera en premier devant le juge. Il sera suivi par Ali Haddad, le 21 juin, et Mayedine Takout le lendemain. Habitués au salon feutré d'Alger, ils se rencontraient souvent dans des conférences officielles, ou encore des soirées mondaines réservées à un petit cercle d'initiés. Ils se sont retrouvés, hier, mais dans le box des accusés. Eux, ce sont des ex-premiers ministres, des anciens ministres et hommes d'affaires, qui coulaient des jours heureux sous l'ancien régime, et occupaient les journaux télévisés et les unes de la presse écrite. Pas moins d'une quinzaine d'anciens hauts cadres étaient assis, l'un à côté de l'autre, à attendre l'ouverture de leur procès pour corruption, dilapidation, blanchiment ou encore octroi et perception d'un du privilège. Abdelmalek Selal, 71 ans, membre de tous les gouvernements entre 1999 et 2017, connu pour ses blagues et plaisanteries, semble avoir perdu le sens de l'humour. Assis à l'extrémité du box, ce fidèle de l'ancien président de la République était très affaibli. Tête baissée et yeux rivés au sol, il avait l'air épuisé à un point où ne pouvant supporter les regards pesants des présents, il a choisi de s'éclipser derrière les policiers qui entouraient les bancs des accusés. Juste devant lui, Amar l'ex-ministre des Transports, n'était plus reconnaissable par le noir obscur de ses cheveux, ternis par des mois passés au trou. Le visage caché sous le masque, il gardait cependant ses yeux rieurs. Amar Abunyunes, l'ancien ministre du Commerce, a, quant à lui, énormément maigri tout autant que Youssef Youssfi, l'ancien ministre de l'Industrie. Les deux hommes ont choisi de respecter le port du masque et des gants en cette période de pandémie de Covid-19. Ce n'est pas le cas de Ali Haddad, Ahmedouyaïa et Oulmi. Les trois hommes étaient assis côte à côte, sur le même banc el Malek Selal. De leur côté, ça parlait beaucoup, notamment chez les hommes d'affaires. Oulmi, le patron de Sovac, tentait, avec des gestes, d'échanger avec un membre de sa famille alors qu'Ali Haddad, patron du groupe TRHB, n'a pas cessé de chuchoter à l'oreille de l'ancien Premier ministre Ahmedouyaïa et c'est à peine si ce dernier acquiesçait de temps à autre avec un hochement de la tête. L'échange entre Ouyaïa et Haddad a suscité la curiosité et a capté l'attention. Haddad avait beaucoup de choses à dire à son ami Ouyaïa, puisqu'il a longuement parlé. Le sujet semblait passionnant à se demander de quoi pouvaient bien discuter les deux hommes. Dans cette salle d'audience, où se déroulait ce mini-conseil ministériel et en détournant le regard de ce carré des détenus VIP, il y avait un autre carré beaucoup plus agité, celui des robes noires qui s'activaient pour défendre leurs mandants. En effet, à l'ouverture de l'audience, le juge qui devait examiner trois dossiers concernant l'homme d'affaires Ali Haddad, Mayedine Takout, patron de Simamotor, représentant la marque Hyundai et Mourad propriétaire du groupe Sovac concessionnaires des marques automobiles Seat, Volkswagen, Audi et Skoda, tout en faisant jonction avec les dossiers des hauts cadres impliqués, mais qui ont été instruits en raison du privilège de juridiction par la Cour suprême, a décidé dans un premier temps de reporter deux affaires et n'en garder qu'une celle d'Ali Haddad. Ce qui a été rejeté par les avocats, arguant du fait que l'ordonnance de renvoi dans ce dossier date de jeudi dernier, et que le délai légal de faire appel ne s'est pas encore écoulé. Ce qui va finalement amener le juge à reporter les trois affaires à des dates qui se succèdent. Le tribunal de Sidi Mahmud va traiter en premier et dès demain du dossier de Oulmi, qui est poursuivi aux côtés Yaya, Abdesalam Bouchwareb et Youssef Yousfi, notamment pour blanchiment d'argent, transfert de biens issus de revenus criminels. Et usage de crédits financiers bancaires de façon contraire aux intérêts de la banque. S'ouvriront, trois jours après, le 21 juin précisément, deux affaires de Haddad dans lesquelles il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont l'obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflits d'intérêts et corruption dans la conclusion de marchés publics. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.